Cassandra clash son ex Théo et balance tout, il ne veut pas me rendre mes affaires. Depuis qu'ils se sont rencontrés dans la villa des cœurs brisés 7, Cassandra, Julia et Giovanni Pra ne se quittent plus. Les deux amoureux ont même participé ensemble à la bataille des clans l'année suivante. Mais avant de tomber littéralement sous le charme de Gio, l'ex-Miss Aquitaine a vécu une relation très passionnelle. Mais conflictuelle, avec Théo Santanac, un autre candidat de télé-réalité. Après leur rencontre en 2019 dans la Villa 5. Ce furent les montagnes russes pour Cassandra. Malgré les innombrables tromperies du jeune homme. Elle ne cessait de le défendre sur les réseaux. Jusqu'au mensonge de trop. Aujourd'hui heureuse dans son couple avec Giovanni et loin de Théo, elle l'accuse de vol. Il y a un an de cela, Cassandra et Théo se quittaient définitivement. Lassée des frasques de son petit ami. La belle blonde l'a très vite oublié en rencontrant Giovanni. Mais cette ancienne relation lui laisse tout de même un goût amer. Point. Cass a alors décidé de régler ses comptes avec son ex sur Tito. Elle lui reproche de ne lui avoir jamais rendu ses affaires. Il y en a certainement une à l'heure actuelle qui cuisine dans les plats que j'ai lassés. Qui dort dans la chambre que j'ai décorée, qui regarde des films sur le canapé que j'ai acheté. Qui fume sa clope sur le salon dehors que j'ai acheté, qui marche sur le sol que mon père a posé. Qui range ses affaires dans le dressing que je me suis créé, qui part en mer sur le bateau que j'ai acheté seul, a-t-elle balancé dans sa vidéo. Alors, les fans s'interrogent. Pourquoi Cassandra ne va-t-elle pas récupérer toutes ses affaires chez son ex Théo? Après avoir créé le buzz sur Tito. Elle répond enfin à cette fameuse question, « J'ai dû prendre mon Tito comme une gamine alors que j'ai 24 ans. » Point. Je n'en ai rien à foutre et surtout, j'ai ma vie à côté. Il y a des choses très intimes. Très personnelles qui m'ont mise dans la merde cette année. J'ai réclamé mes affaires une bonne cinquantaine de fois. Je ne les ai jamais récupérées. Je n'habite pas à Marseille, donc forcément, je ne peux pas faire 6 heures de route. Guillaumet. Lorsque j'ai fait tous mes cartons, ça me disait, laisse tes affaires, laisse ton dressing mon amour. Parce que tu sais très bien qu'on finira par se retrouver. Tout sera là quand tu reviendras, vous vous doutez bien que je ne suis jamais retournée à Marseille. Point. J'ai laissé beaucoup de trucs. J'ai dû tout racheter. Le bateau, c'est quand même 6 000 balles. Ça fait SCH de laisser ça à une personne qui vend des vidéos de toi à poil, déplore Cassandra. Moi, amoureuse et CNNE, j'ai mis le bateau à son nom. Du coup, je n'ai aucun droit dessus. Je ne suis pas une gamine, je connais du monde sur Marseille. Je pourrais faire du sale. Mais je ne fais pas de bail chelou comme ça, conclut-elle.